des livres pour enfants. Et donc j'ai fait ça, qui s'appelle Une échappée de Barton Biloba. Et tout le monde devrait rester tranquille près d'un petit ruisseau et écouter. Alors, en fait, ce sont les deux premiers livres d'une série de livres pour enfants que j'ai envie de développer sur les 10 prochaines années. Et en fait, ça reprend des thèmes de ma précédente BD, c'est-à-dire la famille. C'est un peu mon obsession. En fait, j'ai envie de traiter tous les aspects de la famille. Et avec ces livres pour enfants, en fait, c'est l'histoire d'une famille de taupes qui s'appelle les Biloba. Et en fait, donc à chaque album, c'est pour un âge différent. Donc là, le premier, par exemple, c'est vraiment premier âge parce que c'est un livre d'onomatopée de bruit où on suit une petite taupe qui fait une sieste au bord d'un ruisseau et qui essaie de se reposer alors que tout frémit et bourdonne autour de lui et tout le monde vient l'embêter, les insectes. Voilà, donc c'est un livre à lire aux tout petits enfants et à jouer avec les onomatopées. Et là, c'est les mêmes personnages, mais pour les enfants un peu plus grands. Donc le récit, il est adapté aux enfants de 5-6 ans. Et c'est le petit frère de la famille Biloba qui décide de tracer sa propre route et de quitter le chemin que ses parents lui ont fait avec ses sœurs, et qui va se perdre et vivre ses petites aventures à lui. Donc là, c'est les deux premiers, mais mon but, c'est de, par exemple, le prochain, faire des livres qui s'adressent avec la même famille de taupes, mais qui s'adressent plus à des enfants de 8-10 ans. Donc, ça sera une bande dessinée de 130 pages. Et même parfois, reprendre les personnages des parents taupes et faire des livres pour adultes complètement, ou des livres politiques. Donc vraiment de graviter autour de cette entité, de cette famille-là, animale, pour essayer de décrypter nos propres familles, nos questionnements.